Allez, bonjour tout le monde, ici KDC, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle session d'enregistrement de Final Fantasy VII Crisis Core. Aujourd'hui j'espère pouvoir vous proposer l'épisode dans une plus grande joie, une meilleure humeur que la dernière fois. Parce qu'il faut vous l'avouer que la dernière fois, il y avait vraiment tout ce qu'il fallait pas quoi, j'étais pas forcément en forme. Et c'est vrai qu'on a eu un passage du jeu qui était assez chiant, faut le dire. Je ne vous ai pas encore fait l'émission que je fais en off, je vous le ferai pour l'épisode de la semaine prochaine je pense. Enfin, m'excuser, j'ai toujours du mal un petit peu à pouvoir concorder tout ce que j'ai à faire, moi. Donc, vous l'avez compris, on va devoir encore malheureusement se taper un petit passage ennuyant avec Aerith. Hein. On va devoir aller construire un putain de chariot à fleurs. Mais je crois qu'après ça, on aura quasiment fini tous les passages tranquillou avec elle. Et on pourra tout de suite se relancer dans le vif du sujet où on s'était relancé très brièvement la dernière fois. Je sais pas si vous vous souvenez, on était allé combattre Genesis qui s'était introduit dans la tour Shinra pour chercher Ojo. Donc on a dû se battre contre Bahamut Fury, c'était un truc de taré. Tu as dit que je n'arrivais pas à contacter, mais il est dans la salle des données. On dirait qu'il passe en revue tous les documents de recherche sur une série d'expériences appelée le projet G. Donc on sait de quel projet ça parle ça. Le projet G date d'il y a plus de 20 ans et Hollander a volé bon nombre de données. J'ai même entendu dire que les données les plus importantes ne seraient plus là et qu'elles seraient cachées autre part. Je ne sais pas si on comprendra un jour toute la portée de cette expérience. C'est vrai que c'est très compliqué, c'est pour ça que le set me plaît particulièrement. C'est parce que contrairement aux autres Final Fantasy, il a vraiment une histoire qui est vraiment très 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 recherchée et très complexe, donc faut vraiment avoir joué à tous les opus et faut vraiment avoir tout fait de fond en comble pour vraiment tout comprendre. Et c'est pourquoi c'est un jeu que j'adore, je le répéterai toujours. On va se utiliser l'ascenseur, on va retourner à l'entrée dans le but donc de retourner sous la plaque là pour aller voir le taudis. Ok, donc si je me souviens bien, je crois que c'est la première fois qu'on passe par l'entrée en mode civil, on va dire, parce que la dernière fois qu'on était dans l'entrée, il y avait un peu des robots partout. Donc c'est un petit peu une occasion hein, pour visiter un petit peu si vous connaissez pas. Voici la tour Shinra. On va passer par l'exit. Logique, non? Et puis on va se rendre donc au Toddy. Et je crois que c'est par là, hein, je suis pas complètement sûr. C'est que maintenant que j'ai un doute, mais j'ai un gros doute. Il me semble que c'est par ici. Il me semble en tout cas. Il va falloir demander aux gens par où vous passez. Ça me gênerait un petit peu, mais bon. Oula. T'es qui toi? J'aime bien, le mec il a envie de dire qu'il veut pas se faire remarquer tout ça. Je veux pas dire, j'ai pas parlé à un seul citoyen depuis le début. Le mec, c'est la première chose que j'ai capté, c'est qu'il était louche. Donc il est un petit peu pourri, sa planque. Messagerie, donc ça doit être lui je pense. Voilà, journaliste. Deux membres du soldat déclaré mort ont été aperçus vivants, à Banora donc. D'après ma source, plusieurs Genesis auraient été vus, c'est un petit peu plus problématique. Hollander du département scientifique est également présent. Ceci laisse penser que Genesis et Angelo le seraient impliqués dans l'expérience secrète qui sont menées au sein de l'usine. J'ai perdu le contact depuis avec ma source et j'espère qu'elle est toujours en vie. Oula. Je vois pas qui ça pourrait être la source. Ça aussi, c'est un truc que je suis sûr, si on passait des heures à réfléchir, on pourrait trouver qui est la source. Mais ce n'est pas le but aujourd'hui.
quai de la station. Je pense, je suis pas sûr que ça part là. Peut-être, on verra. Je suis complètement perdu là en fait, je sais pas du tout comment on y va. Le truc c'est qu'on avait pris un truc qui m'avait fait directement arriver sur le pont là. Sur la route. Et bah là je l'ai pas donc... Marché les taudis, voilà. Oui bien, je suis trop fort, j'ai deviné direct que c'était par là. Faudrait que je me calme des fois, je suis trop fort. Je déconne. Ok, donc un bref retour à la réalité. Mais avant tout, n'oublions pas que nous devons avant tout construire ce chariot. Et donc, pour construire ce chariot, il va falloir qu'on aille... qu'on retourne à l'église. Il reste à savoir comment est-ce qu'on retourne à l'église. Je pense d'être par là, alors. Je vois pas d'autre solution. Il va falloir retourner à l'église et puis lui parler et puis retourner dans le marché pour construire le chariot de la fleur donc. Par contre pour me souvenir vers par où faut passer, peut-être par là. Yes oui, complètement perdu mes amis. Dans le parc, et peut-être qu'à partir du parc on a accès à l'église. Peut-être. J'espère. Ok, on peut passer par là. Et donc, yes oui, baiser. Yes oui, yes oui, yes oui, baiser. Toi, t'as un air louche. Bon ça je pense que tout le monde sait que c'est ça. Ça me rappelle un petit peu les témoins de Jéhovah ça, mais c'est pas grave. Pourquoi j'ai mis ça? Je suis con. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à Omnifrappe, mais Omnifrappe c'est pas lui, putain c'est... Omnifrappe c'est Cloud, je suis con. C'est Cloud Omnifrappe, là ça n'a rien à voir. Cette supernova alors. Oui c'est pour ça je me disais bien. Et dans quelle main c'est un peu traître parce qu'il se bat avec les deux, styles un peu hein, mais. Attendez, est-ce que j'ai un poster dans ma chambre avec Sephiroth que je puisse tricher? Ouais, il a sa main gauche. C'est bien d'avoir des posters, on peut tricher comme ça. Ok, ça c'est fait au moins. Chers membres de l'élite d'argent, aujourd'hui nous vous proposons notre partie du questionnaire sur Sephiroth. Pourquoi a-t-il les cheveux longs? Putain, mais les produits capillaires qu'il utilise sont les meilleurs du marché et sont fabriqués par la compagnie Shinra. Il paraît qu'il utilise un flacon entier de shampoing et d'après shampoing à chaque fois qu'il se lève les cheveux. Mais on s'en branle, putain. Ceux-ci sont déclinés en 13 parfums dont rose et vanille. Ça casse le mythe d'un coup. Apparemment, le parfum que les Sephiroth derrière lui, quand il touche ses cheveux, change tous les jours. Putain, ça casse le personnage, ça, c'est... Il prend un coup dans la virilité, le pauvre gars. Ça, c'est sûr. Donc, attendez, je suis toujours perdu, moi.
Je me balade toujours, c'est bien, on découvre. Hein. On découvre un petit peu l'univers. Hein. Donc si c'est par là, peut-être que c'est par là. Peut-être bien que c'est par là. Attendez. Accélérer le gizmo, c'est ça. Et le message, c'est de Luxière. Bonjour, Zek. Je suis Luxière, un seconde classe du soldat. On vient de se rencontrer à l'étage du soldat. Ah oui, c'est celui qui nous parlait tout à l'heure. Je voulais juste vous dire que j'ai beaucoup d'admiration pour vous. Votre enthousiasme me donne envie de vous aider. Et comme vous n'êtes jamais là, je me suis dit que vous aimeriez recevoir une dernière nouvelle de Midgar. C'est bien, sire-moi bien les pompes. Non, bah, il est sympa quand même, c'est bien. C'est bien d'avoir un petit fan club comme ça. Je viens de rejoindre celui de Sephiroth, donc c'est normal que j'en ai un moi aussi. Et puis il est pratique le garçon aussi, il me donne des infos comme ça. Zach, I need you in Modeoheim. I know. Just give me a minute. Aerith isn't there. Problem? And how is it you know Aerith? It's complicated. Really? Did she tell you anything? Not a thing. Then I won't either. Well, whatever, I guess. Whatever. Well, that's a fine how do you do? Song! Hey guys! No signal out here. Well, at least we're all in one piece. We'll be all right. Thankfully, we have someone used to this kind of terrain. Yeah, yeah, I'm a country boy. All right then. We would have reached Modeoheim by now if we hadn't crashed. So, we're going to need to make up for lost time. All right, follow me then. Voilà, donc pour des besoins scénaristiques, ils nous ont fait nous écraser. Donc bah écoutez, on s'est écrasé, du coup on est perdu dans les montagnes. Avec Tsang et deux miliciens de la Shinra. Et bah donc on va se contenter d'avancer. Hein. Normalement, on devrait se faire quelques petits combats sympatoches. Donc ça fait longtemps que je me suis pas battu moi, donc il faudrait bien que je me réhabitue un peu. On découvre des nouveaux types de monstres, hein. Nous avons l'autruche qui peut être très chiant quand il veut. Mais heureusement moi je suis tellement cheaté, j'ai même pas fait encore l'émission donc je vous dis pas quand j'aurai fait l'émission. Et je suis tellement puissant mes amis que je les massacre les pauvres. Ouais, je suis en train de penser, si je me souviens bien de comment se déroule le jeu, j'aurais bien intérêt d'ici le prochain épisode de vous faire cette session mission parce que sinon je vais galérer après le sang. Mais pas galérer mais ça va être moins agréable à regarder donc faudrait bien que je me décide à la faire. Zone sud-ouest du Raven de Modeo. Allons-y. On va pas se dire d'un coup non j'ai pas envie, je rentre à la maison hein, donc avançons.
You! Don't fall too far behind. At least someone's keeping up. Well, I'm a country boy too. From where? Nibelheim. How about you? Me? Gungaga. Hey, what's so funny about that? You know Gungaga? No, but it's such a backwater name. Ditto Nibelheim. Like you've been there. I haven't. But there's a reactor there, right? A Mako reactor outside Midgar usually means nothing else out there. Good news, Song! Me and... Cloud. Me and Cloud here are both backwater experts. Oh yeah! Good. Carry on then. Voilà, alors je sais que la tentation va être très forte de spoiler, donc je vous demanderai s'il vous plaît de ne pas spoiler par rapport à un événement qu'on vient d'avoir qui est assez marquant. Hein. Cloud n'est juste qu'un simple garçon que nous venons de rencontrer, donc qui était un milicien de la Shinra. Hein. Je vous dis ça, je pense que vous avez tous déjà vu que c'est un personnage assez important dans la série. Hein. Mais bon, on va rien révéler d'important pour le moment. Le mieux, c'est que vous découvriez tout ça au fil du jeu. Et puis on va continuer comme ça. Nous sommes maintenant dans la zone nord. Ok, donc je cherchais un point de sauvegarde, on devrait en trouver un.
Oula, j'ai eu un petit bug. Là, on va rentrer dans une partie du jeu que je dé... d'accord. Ah ouais, tu veux être comme ça, toi. On va rentrer dans une partie généralement que je déteste dans les jeux. Puisque je suis quelqu'un qui n'a jamais été discret, qui n'a jamais pu réussir à infiltrer une zone sans se faire repérer et sans devoir, au final, devoir tuer tous les gardes un par un. Donc je pense que c'est ce qui va se passer au final, je vais finir par décimer tout le camp. Parce que j'ai jamais réussi à être discret, moi. Je vais en profiter pour sauvegarder. Tac. Et je pense que c'est ici que je vais mettre un terme au premier épisode de cette session. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous donne rendez-vous donc pour la semaine prochaine pour l'épisode 10. Écoutez, bah, attendez la prochaine de vous. Et puis à la prochaine, bye tout le monde.